Le village de Tente, dressé avenue de Rothschild à Tel Aviv, ne désemplit pas. Jeunes, étudiants, représentants de la classe moyenne, continuent de dénoncer la cherté de la vie. Au lendemain d'une nouvelle vague de manifestations, le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet un dialogue, des changements et la mise sur pied ce dimanche d'une équipe ministérielle spéciale. Ce comité ministériel va nouer un large dialogue avec les différentes parties, déclare-t-il, afin de prendre en compte leur détresse, leurs suggestions et de faire des recommandations transmises ensuite au cabinet social et économique dirigé par le ministre des Finances. Cette équipe spéciale chargée d'examiner les exigences des manifestants réunit experts et membres du gouvernement, patronat et syndicats sont invités à participer aux discussions. Samedi, des hordes de manifestants déferlaient pour le troisième week-end consécutif dans les rues de la ville. Ils étaient entre 250 et 300 000 personnes.